Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision de Transarménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Un pont historique en pierre avec des arcs découverts dans le district de Masrit à Dersim. La Cour européenne des droits de l'homme a évoqué le déplacement de la population des communautés de Berzol et d'Aravno. Soumission conjointe de représentants autorisés de ONG de réfugiés de l'Artsakh cherchant refuge dans le CIO, Gagi Ginosian, l'Or et à la guérilla. Les travaux d'asphaltage se poursuivent à Djavar. La forteresse du 7e siècle, construite pendant la période Kamsarakan dans le village de Dashtadem, est en cours de restauration. Soutenons la télévision de Transarménie occidentale. Les ouvriers qui effectuaient des travaux de réhabilitation d'une rivière dans le district de Masrit à Dersim ont découvert un pont historique à arc et en pierre. Les caractéristiques architecturales et le plan de pont sont utilisés pour déterminer son âge. Les équipes ont arrêté les travaux dans la zone et ont ensuite signalé la situation à la direction provinciale de la culture et du tourisme et à la direction du musée de Dersim. Une étude a été lancée pour enregistrer le pont historique en pierre en termes de plan et de caractéristiques architecturales. Le 19 août de cette année, sur la base de la demande de la République d'Arménie à la Cour européenne des droits de l'homme d'appliquer une mesure provisoire pour la protection des droits de la population civile dans un certain nombre de colonies de la République d'Artsakh, la CEDH le 29 septembre 2020 et le 3 novembre de la même année a réaffirmé la décision mise en œuvre. Ceci a été rapporté par le Bureau de représentation pour les affaires juridiques internationales de la République d'Arménie. La Cour CEDH a invité les partis à s'abstenir de toute action susceptible d'entraîner des violations des droits de la population civile protégée par la Convention, notamment en mettant en péril leurs droits protégés par les articles 2, 3 et 8 de la Convention. Il a dit, la Cour européenne des droits de l'homme a également noté que son arrêt du 29 septembre 2020, qui est toujours en vigueur, s'applique toujours aux événements auxquels le gouvernement de la CIE se réfère, à savoir les attaques armées contre des établissements pacifiques et les menaces de déplacement de la population de Berzor et d'Aravno. Appel conjoint adressé au gouvernement de la République française, co-président du groupe de Minsk, par des représentants autorisés d'organisations non gouvernementales de réfugiés de colonies occupées par les occupants azerbaïdjanais de la République d'Artsakh vers la République d'Arménie. Application. Après 44 jours de guerre, l'Azerbaïdjan facilite à lancer de nouvelles occupations militaires des colonies de la République d'Artsakh, profitant des obstacles artificiels créés par certaines forces aux activités des pays co-présidents du groupe de Minsk. Nous y voyons la poursuite du génocide commis contre les Arméniens depuis près d'un siècle. Le grand nombre de victimes et de blessés parmi la paisible population arménienne en est la preuve. Ce fait étrangement dissimulé même par le gouvernement de la CIO. On a l'impression que les soldats de la paix russe ne reconnaissaient pas l'occupation illégale du territoire de la République d'Artsakh par les occupants azerbaïdjanais. Les Arméniens sont en danger de génocide. La France, en tant que coprésident, mais aussi en tant que pays démocratique, a élevé à plusieurs reprises sa juste voix pour défendre le droit à l'autodétermination des Arméniens de l'Artsakh. Nous demandons au gouvernement de la République française, qui assure la coprésidence, d'autoriser l'entrée de soldats de la paix français sur le territoire de la République d'Artsakh afin de protéger la sécurité de la route de Berzor, la seule route de la vie reliant la République d'Artsakh à la République d'Arménie contre les envahisseurs azerbaïdjanais. Respectueusement, représentants autorisés de ONG, de réfugiés de colonies de la République d'Artsakh occupée par les occupants azerbaïdjanais. Gagi Ginosian, artiste honoré de la République d'Arménie, directeur artistique de la troupe de chant danse traditionnelle Karin, a répondu aux questions de Lera Gireyem en particulier. Le dépeuplement de Berzor est absolument inacceptable du point de vue national. En novembre 2020, il a été enregistré que nous avons été vaincus, ce que je ne crois pas, car il y a une coopération évidente non seulement des superpuissances, mais aussi des villes locaux pour mettre à genoux le type moral de la nation. Je pense que le temps de la guerre est venu et cette lutte n'est pas seulement une guerre avec des armes dans les mains, mais c'est aussi une lutte idéologique, une lutte de l'esprit, de l'éducation, de la culture pour que nous puissions unir la nation autour d'une idée. Nous devons préparer la nation à se débrouiller seule, à franchir le seuil de l'autoreconnaissance, à être favorable à la
la préservation de l'honneur national. Nous devons faire le premier pas. Nous devons relever l'esprit de la nation en dépit du gouvernement et des individus défaitistes, antinationaux et anti-étatiques. La rupture de l'esprit national, l'attentat à la dignité nationale est déjà une trahison de la nation. Un appel d'offres a été annoncé pour la restauration de l'autoroute Karsep-Abnia-Vartia dans la municipalité d'Akhalkalak. Le montant total alloué à cette section de route est de 2 097 910 lari géorgiennes. Le budget de l'État alloué 68% et le budget local 22% des coûts prévus. Actuellement, l'acceptation des documents pour la participation aux appels d'offres électroniques est en cours. L'asphaltage de la route Kartsakh-Karsep-Vartia est en cours. L'asphaltage de 1,2 km de la route Hokam-Karsep a été achevé. Dans le cadre du programme de la Banque mondiale développant de l'économie locale et des infrastructures, la rénovation de la forteresse de Dashtadem va bientôt commencer. C'est ce que rapporte le bureau de la Banque mondiale en Arménie. Il est prévu de sonder l'ensemble de la forteresse et d'effectuer des fouilles dans certaines parties, d'améliorer la route menant à la réserve historique archéologique musée de Balizé, la piste cyclable et de reconstruire les zones situées en dehors du périmètre de la forteresse. La forteresse de Dashtadem ou forteresse de Kagen est située dans le village de Dashtadem, dans la région d'Aragatsotna. On pense qu'il a été construit sur le site de la forteresse Urartien pendant la période Kamsakaran. Au début de l'occupation arabe de l'Arménie, la forteresse est mentionnée dans l'œuvre de l'historien Revon. Des traces du château sont conservées aujourd'hui et plus tard, des murs avec des tours semi-circulaires ont été construits autour. L'entrée principale est une pyramide semi-circulaire. La forteresse La terrasse de Kagen possède un passage souterrain recouvert de dalles de basalte. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.